Bonjour les petits moulitrons, aujourd'hui je vais vous présenter un de mes jeux les plus cultissimes de ma période Atari ST. Vous vous souvenez de la vidéo dans laquelle je vous ai présenté Captain Blood? Eh bien aujourd'hui aussi, dans un sens, je vais vous montrer ce que j'appelle un jeu à interface qui n'est pas du tout dans le même genre que Captain Blood. Le principal point commun, c'est qu'on discute avec les personnages qu'il y a dans le jeu. Et contrairement à Captain Blood, je pense que le jeu dont je vais parler aujourd'hui n'a pas vieilli. Bon, là, il est en cours de chargement, vous avez un écran noir, c'est normal. La vidéo risque d'être un petit peu longue. Si vous ne connaissez pas ce jeu, patientez et écoutez jusqu'au bout, vous allez être surpris. Positivement surpris. Bon, j'ai coupé l'intro. Alors, comment dire? Le son était un peu pété à des moments. C'est sans doute dû à l'émulation, encore que l'émulateur dont je me sers là, Atari avec un H, est celui qui, sur ce jeu, m'a fait le moins de problèmes au niveau du son. Mopiti Island. Quand je vous dis que c'est un jeu cultissime, sachez qu'il n'est pas cultissime que pour moi. Il y avait un autre jeu publié par Lancor qui était aussi une aventure de Jérôme Lange, Jérôme Lange étant un détective privé. Et ce premier jeu, c'était le Manoir de Morteviel, qui est aussi super célèbre. Édouard de la chaîne YouTube du même nom a fait une vidéo fabuleuse sur le Manoir de Morteviel. Je mettrai le lien dans la description. Maintenant, excusez-moi, il faut que j'insère la disquette 2 dans le lecteur interne. Ce qui, avec l'émulateur que j'utilise là, est beaucoup plus long à faire qu'à l'époque sur un vrai Atari avec des vraies disquettes. Donc, il va y avoir une petite coupure dans la vidéo pour moi. Pour vous, ça reprend tout de suite. Allez, c'est parti. On lit des trucs sur la disquette 2. J'ai coupé le son pour expliquer des choses en toute tranquillité. Il y a un moment où je remettrai le son parce que dans ce jeu, le son est essentiel et vous allez comprendre. En attendant, j'insiste, si vous ne connaissez pas ce jeu, non seulement je veux que vous écoutiez cette vidéo jusqu'au bout, mais en plus, vous devez faire savoir aux jeunes joueurs que ce type de jeu a existé. Hein, pareil pour un jeu comme Captive. Cherchez sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur Captive il n'y a pas longtemps. Alors bien sûr, dans le circuit dit indé du jeu vidéo d'aujourd'hui, il existe tous les styles de jeux vidéo, y compris des tas de styles de jeux qui n'existaient pas à l'époque, mais également probablement d'autres jeux de ce genre-là. Enfin, ce genre de jeu-là, ça fait vraiment pas partie de ce qui est en vogue aujourd'hui, et c'est dommage parce que c'est génial. Moi, je rêve d'un jeu à la Mopiti Island avec une réalisation digne des jeux d'aujourd'hui. Allez, j'ai aucune sauvegarde sous l'émulateur de toute façon. Donc voilà, donc vous êtes Jérôme Lange, un détective privé, et vous enquêtez sur la disparition d'une personne qui s'appelle Marie. Alors, nous sommes dans une chambre dans un bateau. Je le redis, j'ai coupé le son pour le moment. Et, eh bien, en gros, vous avez un menu avec plein d'actions possibles. On va pas tout montrer dans la vidéo, les types d'actions possibles, parce que vraiment ce serait inutilement long. L'important c'est que vous cerniez l'état d'esprit du jeu. Alors, bon, truc tout bête, tiens, ça a l'air de pouvoir s'ouvrir, hop, j'ouvre, ok. Allez, maintenant je vais fouiller dedans, allez, hop, un coup d'œil sondeur sur qu'est-ce qu'il y a dans ce petit placard, 35 dollars, ok.
C'est dans ma chambre, dans le bateau, hein, donc ils doivent être à moi, donc je ne vais pas me gêner pour les prendre. Quoi d'autre? Une lettre. Tiens, ben, je vais la lire. Allez. À Jérôme Lange, effectivement, c'est une lettre pour moi. Cher vieux, apprenant que j'étais un ami de Jérôme Lange, Maître Satow m'a confié qu'il serait très honoré de recevoir le célèbre détective privé français dans son monastère. Nous t'attendons pour la... C'est un mot que je connais pas, ou alors c'est session, je sais pas, de printemps. Amicalement, ton vieux Max. Alors Max, je pense que c'était un personnage de... du manoir de Morteviel. Si je me trompe pas. Ok, suite. C'est tout, il n'y avait que ça dans ce truc, ok. Très bien. Alors, comme je suis organisé, je vais refermer ce que j'ai ouvert. Et puis maintenant, je vais me déplacer. Alors, je peux aller à cinq endroits différents depuis cette chambre. Alors, par exemple, je vais aller voir devant chez Juste. Hop. Alors, il y a un temps de chargement quasi à chaque fois qu'on change d'endroit ou qu'on interroge quelqu'un. Voilà, donc je suis devant C'est Juste, très bien. Je suis tout seul, donc Juste n'est pas dans le coin. Il n'est pas, enfin, il n'est pas dehors devant sa maison. Il est peut-être dans la maison. Hop, donc je vais demander à choisir sur l'écran l'endroit vers où je vais. Et je vais cliquer sur cette porte pour aller dans la maison. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous faire tout un steak sur la qualité des graphismes? C'est très beau, sobre, bien fait. Le jeu a les défauts de beaucoup de jeux de l'époque et sur l'Atari ST, à savoir il y a pas mal de tramage avec des gros pixels pour donner l'impression qu'il y a un peu plus de couleurs qu'il y en a réellement. Donc ça, en 2020, il faut l'encaisser, certes, mais enfin c'est vraiment beau. Vous pourrez le voir en jouant, ça fourmille de détails comme là par exemple la petite mouche qui se balade. Bon, Juste n'est pas chez lui, très bien, j'en profitais pour fouiller un petit peu ou pour regarder, je vais regarder ici, là on dirait qu'il y a quelque chose. Ah ouais, il y a quelque chose là. Je dirais que c'est peut-être des billets de banque. Du coup, je vais fouiller. Tac. Ah non. Tiens. Je sais pas. Il y a bien un truc là. Il y a quelque chose là. Peut-être que je peux le prendre directement, mais j'hésite à le faire. Dans ce jeu, faites gaffe à ce que vous prenez quand ça ne vous appartient pas. Parce que les personnages du jeu. Enfin, si vous faites trop de choses un peu bizarres dans leur dos, ils peuvent finir par vous suspecter et ils apprécieront pas forcément. Hein? Et je vous parle même pas des cas où ils vous verraient agir d'une façon déplacée. Hein? Bon, alors je vais repartir d'ici. Hein? Mon but c'est pas de fouiller l'endroit de fond en comble, c'est pas non plus de vous montrer tout le reste du jeu évidemment, mais j'ai tellement de choses à vous dire encore que la vidéo est pas finie. Alors, par exemple, où est-ce que je vais aller? Je vais aller à la plage nord. Hop. Alors, vous pouvez voir que l'heure tourne. En fait, il y a les jours et les nuits. Il y a des moments où il faut penser à aller dormir, il y a des moments où il faut penser à manger, sinon il peut vous arriver différents trucs plus ou moins pas marrants. Et puisque Juste est dans le coin, je vais l'accoster. Je clique sur son nom et alors vous avez vu, on peut aussi suivre un personnage, évidemment à utiliser avec modération. Il faut pas suivre quelqu'un si on n'a pas une excellente raison pour le faire, je pense. Je mets accoster, mais juste avant, je vais remettre le son. Allez, on accoste juste avant qu'il s'en aille de la plage nord. Alors là, je crois que les temps de chargement sont assez longs quand on accoste un personnage. Je me tais, il faut que vous écoutiez ça. Enfin, quand ce sera fini de charger.
monsieur. Le monsieur, juste, a dit oui, monsieur. Oui. Alors vous avez entendu, c'est une voix numérisée, vous êtes d'accord avec moi. Seulement, il y a une petite subtilité. Il y a un grand nombre de phrases en tout que les différents personnages du jeu sont susceptibles de prononcer. D'accord? Impossible de faire tenir sur une ou deux disquettes de l'Atari ST toutes les phrases possibles. En réalité, là encore, la société qui a créé ce jeu et ou édité, mais je crois qu'elle l'a créé, a mis au point une méthode de synthèse vocale qui fonctionnait sur les ordis de l'époque, en tout cas qui marchait très bien sur l'Atari ST et sur l'Amiga. Je crois qu'ils sont les seuls au monde à avoir réussi à mettre ça au point. La phrase que vous venez d'entendre, ainsi que toutes les autres phrases que les personnages du jeu prononcent, elles sont synthétisées. C'est-à-dire que chaque phonème que vous entendez, c'est bel et bien une voix numérisée, mais c'est pas du tout, les phrases sont pas enregistrées telles quelles. Une phrase, c'est une liste de phonèmes, et chaque phonème est un son numérisé, donc ça prend beaucoup moins de place. Alors ça peut expliquer aussi pourquoi le son est un peu bizarre, et pourquoi parfois on fait répéter au personnage. Hein. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas de mal à comprendre ce qu'on me disait là, dans l'écrasante majorité du temps. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, alors que je suis plus habitué au son beaucoup plus propre des jeux modernes? C'est pas sûr. Cela dit, ce jeu est tellement génial que vous pouvez, à mon avis, je compte m'y remettre bientôt, y jouer en 2020 sans problème. Alors, je vais lui poser une question. Alors, par exemple, puisque je sais que je suis censé enquêter sur la disparition de Marie, je lui ai demandé de me parler d'elle, hein. Marie, hop. Tout le monde l'adorait. Ok, tout le monde l'adorait, Marie, apparaît-il. Donc oui, ça va pas m'avancer s'il répond ça. Je peux aussi lui poser une question sur qu'avez-vous remarqué le 30 ou la nuit du 30? Alors, il me semble que quand le jeu démarre, on est le 31 au matin. Et au fur et à mesure que les jours passent, ou que même que les heures passent, la liste ici s'allonge. Vous pouvez, par exemple, demander à une personne ce qu'elle a remarqué éventuellement le 31 ou le 1er, hein, de telle heure, entre telle heure et telle heure, ou entre telle autre heure et telle autre heure. Alors, je lui demandais s'il a remarqué quelque chose la nuit du 30. L'oiseau de mauvais augure a crié 3 fois. Ah, intéressant ou pas, remarqué, hein. Alors, petite précision, si vous êtes en train de m'écouter et si vous vous dites ce jeu a l'air super intéressant, mais j'ai pas envie d'écouter la suite de la vidéo parce que j'ai mieux à faire, alors là franchement, sans déconner, sérieux, hein, sérieux. Si vous avez vraiment autre chose à faire, ben allez-y, mais n'oubliez pas de revenir un jour écouter la suite de cette vidéo parce que moi je vais finir de vous expliquer à quel point ce jeu est génial. Vous êtes encore loin d'imaginer à quel point il l'est, hein? Alors, je vais peut-être pas lui poser 50 000 questions. Si vous, Je vous si, écoute. oui, non, c'est bon, j'ai fini, stop. Voilà. Si vous commencez à harceler les personnages, soit en les interrogeant trop de fois en peu de temps, soit en leur posant 50 000 questions à chaque fois, ils finissent soit par s'énerver franchement, soit par vous répéter inlassablement la même phrase, par exemple une phrase du genre "Vous êtes trop curieux" et du coup, ben, vous n'êtes pas avancé, vous pouvez pas plus avancer dans votre enquête. Alors, premièrement, enfin, premièrement, j'ai déjà dit énormément de choses, mais on n'a pas fini, on n'a pas fini. Une question que vous me posez peut-être, c'est, y a-t-il un game over dans ce jeu? Alors oui, il y a même plusieurs types de game over, parce que dans le pire des cas, vous pouvez mourir. Hein. Je crois même qu'il y a plusieurs façons de mourir. En tout cas, dans le manoir de Morteviel, c'était le cas, et à mon avis, dans Monkey Island aussi. Vous pouvez aussi avoir un game over dans lequel le jeu vous indique que à cause de tel ou tel choix que vous avez fait ou à cause de tel ou tel événement, quoi que vous fassiez, votre enquête ne pourra plus avancer. Donc c'est game over aussi. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire un game over. Mais il faut aussi savoir que le jeu se déroule dans un temps limité, en nombre de jours. Hein. C'est pas des jours en temps réel, puisque le temps passe en accéléré. Hein. Mais en nombre de jours, il me semble bien, je ne vais pas dire de bêtises, que le jeu s'arrête forcément à une date donnée. Et si à la date à laquelle ça s'arrête, qui correspond sans doute à la fin du séjour de Vérolange sur l'île de Maupiti, si à ce moment-là vous n'avez pas fini l'enquête, eh bien c'est un game over aussi, d'accord? Je continue, je continue.
Maintenant, imaginons que vous ayez trouvé le truc final, d'accord? La succession de trucs à faire qui vous mène à une espèce de résolution de l'énigme et qui, à ce moment-là, va provoquer un arrêt du jeu, mais pas un arrêt du genre game over, t'as perdu, mais plutôt du genre game over, t'as fini le jeu. Eh bien, sachez qu'à ce moment-là, c'est toujours pas tout à fait fini parce que le jeu va vous poser un questionnaire. Il y a plein de questions. Sur ce qui s'est passé, à votre avis, quel est le rôle de tel personnage dans tel événement? Au final, qu'est-il arrivé à Marie? Blablabla. Il y a un questionnaire. Vous cochez vos réponses. Alors, je sais plus ce que le jeu fait des réponses que vous donnez. Je sais pas, peut-être qu'à la fin, il y a un score qui vous dit, vous avez résolu, mettons, 80% des énigmes du jeu. Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, ça veut dire que même si vous arrivez à finir le jeu, entre guillemets, vous pouvez avoir un taux de réussite différent à ce questionnaire qui peut, s'il est trop bas, vous donner envie de rejouer en pensant que vous avez dû louper plein de choses. Bon, c'est génial, on est d'accord. Non, non, mais attendez, j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai encore un truc ou deux à dire de vraiment géniaux à propos de ce jeu, mais juste comme ça, je vais aller ailleurs quand même, je vais vous montrer un endroit ou deux d'autres. Hop, on va devant chez Maggie. Alors, le 35 que vous voyez écrit en haut, c'est les 35 dollars que j'ai sur moi, que j'ai pris dans ma chambre du bateau. Le bateau, on peut le fouiller intégralement d'ailleurs. Hein. Bon, alors là, il y a Bob. Je ne vais pas forcément aller parler à Bob. Hein. Bon, l'ambiance sonore du jeu, elle est super. Elle met bien dans l'ambiance, d'accord? Alors à ce propos, oui, je vais peut-être recouper le son pour que vous puissiez mieux m'entendre. Ok, alors par exemple ici, je vais aller dans une des... Normalement, toutes ces pièces avec les portes fermées sont des chambres, il me semble. Si j'essaie d'aller dans celle-là, c'est fermé à clé. Alors, il va falloir trouver où est la clé. C'est une des énigmes les plus simples à résoudre du jeu, hein, mais bon, vous voyez déjà une première difficulté. Alors, choix sur écran, celle-ci, est-ce que je peux y aller? Alors, il y a vraiment des choses qui m'avaient sidéré à propos des graphismes et de l'ambiance de ce jeu, et qui a l'air tout simple, mais qu'il faut que je vous dise quand même, petite insertion sur écran noir, c'est que, à l'époque où j'ai lancé ce jeu pour la première fois, sur l'Atari ST, je connaissais surtout des jeux de plateforme, des shoot'em up, des jeux d'action très rapides avec des graphismes à base de tiles et de sprites. Ou alors, je pense que je connaissais déjà Dungeon Master et sa fosse 3D en case par case, je connaissais des jeux de voiture et de moto, mais des jeux comme Mopité Island, dans lequel les graphismes sont essentiellement des écrans fixes représentant tout simplement des lieux ou des scènes de la vie de tous les jours, ça faisait pas du tout jeu vidéo à mes yeux, et je trouvais ça fabuleux. Et je dis ça, mais je suis même pas sûr que Mopité Island est le premier point and click auquel j'ai joué. Et en tout cas, j'en ai vu beaucoup d'autres après, mais celui-ci, c'est vraiment le point and click de l'Atari ST auquel j'ai le plus accroché. Allez, on reprend. Ah, pardon, alors là, j'ai choisi une chambre au pif, je ne pensais pas qu'elle serait occupée. Alors, qui c'est cette dame? Je crois que c'est Su. Je ne suis pas sûr. Alors, je vais rien lui demander parce que j'ai coupé le son et que j'ai pas vraiment envie de jouer ce soir. Je veux vous montrer le jeu, ce qui est différent. Hop. Donc, ah oui, d'accord. Si je mets fin à la conversation, elle me fout dehors de sa chambre. Je pensais me retrouver dans sa chambre et je pensais que j'allais être obligé de cliquer quelque part pour sortir. Bon, alors c'est pas grave. Donc, je vais aller dans une autre chambre. Alors, vous avez remarqué que Sue, elle était dans une tenue un peu légère quand même, hein? Ah ben, un peu, mon neveu, on lui voit carrément les nichons. Je vais spoiler un petit peu, mais je ne crois pas que je spoile grand-chose. Cette maison, en fait, là, c'est censé être un endroit, comment dire, où il y a plein de dames qui ont, comment dire, qui ont beaucoup d'hommes, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, faut pas vous étonner si certains ont des tenues un petit peu légères ou
des propos avec où elle vous parle en vous appelant mon chou ou des trucs comme ça. Bon, après, attention, c'est un jeu totalement correct, hein, il n'y a pas de problème. Bon, alors, regardez ici, par exemple, si je regarde ici, là, on peut voir qu'il y a quelque chose là, sous le drap. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce truc. C'est une broche. Ah. Ben, si je mets ce fouillé, on me dit que j'ai à la main une broche. Je peux la regarder de plus près, non? Non? Bon, attendez, 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 attendez. Alors, je vais redéposer la broche. C'est marrant, j'étais persuadé que j'allais trouver une lettre ici, plutôt qu'une broche. Bon, alors en fait, il se peut que je revienne à une autre heure ou à un autre jour dans la même chambre, et qu'ici il n'y ait plus la broche ou qu'il y ait effectivement un autre objet à la place. Tout est possible parce qu'il y a une vraie gestion du temps, les personnages se déplacent, pour assister à certains événements, il faut que vous soyez à certains endroits précis, à certaines heures précises. Et à ce moment-là, ben, vous tombez bien, soit par hasard, soit parce que vous avez bien interrogé les gens et que vous en avez fait des déductions sur ce qui se passe sur l'île. Mais un truc qui est vraiment dingue, c'est que la première fois que vous ferez le jeu, si vous n'avez pas une soluce pour vous aider, et à moins que vous soyez très 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 fort, vous allez d'une manière ou d'une autre arriver à un game over. Au pire, le game over qui se produit quand on est resté trop longtemps sur l'île en tout, hein. Vous aurez de toute façon à un moment un game over et vous vous direz, bon ben mince, j'ai pas avancé. Alors vous allez faire quoi? Vous allez recommencer une partie à zéro. Mais vous allez recommencer votre partie à zéro en ayant sûrement mémorisé les quelques trucs qui vous semblent être les plus utiles de votre partie précédente. Donc avant de gagner ce jeu, vous allez sûrement devoir le refaire un grand nombre de fois et à chaque fois, vous serez meilleur parce que vous perdrez moins de temps à fouiller au mauvais endroit ou à pas choisir les bons objets, ou vous poserez des meilleures questions aux gens. Évidemment, vous éviterez de commettre les maladresses qui vous auront conduite à un game over du genre vous vous faites zigouiller ou bien vous vous faites éjecter de l'île parce que vous ennuyez tout le monde ou je sais pas quoi. Bref, donc c'est un jeu qu'on peut finir très vite quand on le connaît déjà bien. Hein? D'accord? C'est un jeu qui, si vous connaissez la soluce, vous allez le finir extrêmement vite et vous allez prendre assez peu de plaisir à jouer. Mais sinon, c'est un jeu qui peut vous occuper longtemps, surtout si vous êtes nul à chier, comme je l'étais moi quand j'étais jeune, quand j'étais petit, que j'ai voulu y jouer. Évidemment, j'étais pas malin. À chaque fois que je trouvais un personnage et que je commençais à discuter avec, par exemple, je posais quasi toutes les questions possibles jusqu'à ce que les gens en aient marre. Ou bien, j'hésitais pas à fouiller dans les chambres des gens en leur présence. Enfin, je faisais absolument n'importe quoi. Ben oui, je me disais, après tout, ce n'est qu'un jeu, je risque rien. Non, effectivement, en faisant ça, je risquais rien dans la vraie vie, mais je risquais surtout pas, d'être bon dans le jeu. Eh oui. Ah, j'ai vraiment envie de le redécouvrir, ce jeu, à l'âge que j'ai aujourd'hui. Et pour finir cette vidéo, je vais finir sur un truc qui m'attriste un petit peu, c'est que il y a, je sais pas, peut-être 3 ans, il y a un Kickstarter qui avait été lancé par des gens qui font sans doute partie de l'équipe qui ont créé ce jeu à l'origine, qui voulaient en faire un Kickstarter, donc pour en faire une version modernisée, quoi. Et bon, ben, la campagne de financement a échoué, donc il n'y aura pas de nouvelle version de Moby Pity Island. Alors bon, c'est sûrement un petit peu dommage pour tout le monde, mais en même temps, pour les joueurs, rien n'empêche de jouer au jeu original, quitte à le faire grâce à l'émulation si vous n'avez pas le choix, hein. Bon, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce jeu. Pour moi, c'est vraiment un jeu super mémorable. C'est vraiment un jeu, mais vraiment super mémorable pour moi, et malgré le fait que j'étais nul à chier quand j'essayais d'y jouer. Voilà. Même si vous avez envie de mettre un pouce rouge pour moi, mettez un pouce bleu pour le jeu, quoi. Il le vaut largement. Allez, à bientôt!